Et salut les amis. Alors ce soir on se retrouve avec ma femme Angélique. Fais un petit sourire. Bientôt, elle est un petit peu timide. On se dirige vers la maison du vélo où c'est qu'on a fait, où j'ai fait le stage de perfectionnement. Et ce soir on part pour une petite sortie coucher de soleil avec apéritif. Et mon papa aussi qui va être de la partie. Voilà, donc on devrait se régaler. Allez, ça part de là. Ça y est, on irait. La maison du vélo, on est enfin arrivé. Et on va s'équiper et puis partir. Comment tu la sens alors cette sortie? Je la saoule un petit peu. Elle a un petit peu peur. Parce qu'elle fait pas beaucoup de VTT, enfin même pas, on roule vraiment sur des petits chemins et elle stresse un petit peu, mais je sens que elle est venue pour moi pour me faire plaisir, mais j'espère que ça va lui plaire aussi. Ah ouais? Ça va, parce qu'on peut la monter encore. Allez, on équipe madame. Elle va craquer. Je m'équipe aussi. Ah ouais, je vous ai pas dit, c'est sorti feignant. VAE aujourd'hui. J'ai le sourire, c'est pour ça que j'ai la banane ce soir. C'est sorti quoi? Feignant. Ah, bravo. Bah, on va voir ça. Allez, c'est parti. Là, on teste voir si les vélos ça va, si tout le monde est à l'aise dessus. Et puis après, on va commencer la sortie. Allez, on chauffe les pneus. Change les vitesses, mais plus facile. Alors, on va essayer de me suivre pour essayer. Allez, madame fait connaissance avec le vélo. Elle fait la sortie vraiment pour me faire plaisir et je vous dis pas, elle stresse beaucoup. C'est pas son truc le VTT. C'est vraiment par amour qu'elle a fait cette sortie. Donc là, elle n'est pas encore bien à l'aise, mais ça va aller. Attends pas d'être dessus, quoi. Il vaut mieux que tu le passes pour rien que... Non, là, tu peux rester... Là, c'est bon, tu roules déjà, là. Allez, allez. C'est bien. Et première montée. Bon, je vous ferai dire que j'ai pas encore mis l'assistance moi. Là, sur la plaine d'Ancelle. Ah. Bon alors ces élèves. Ça va. Ce petit groupe. Toujours avec un panorama superbe. Le groupe avance tranquillement. Ça y est, j'ai succombé aux joies du moteur électrique. J'arrivais pas à les suivre. Alors, il n'y a pas eu le choix. Ça fait du bien. Alors c'est bien le vélo? Oui. Le monsieur. Oui. Au top hein. Allez, on est dans les chemins. Écoutez madame, ça a l'air d'aller. Elle roule chilling chilling. Elle a l'air de s'y être faite.
Alors, qu'est-ce que t'en dis là pour l'instant? On verra. Ça si je suis encore en vie ou pas. Ça se passe bien ou pas? Pour l'instant, je suis toujours là. Bon, ça va. Elle est toujours là. Allez, je la laisse tranquille. Ah, et mon papa qui me double. Je l'avais attendu. Et on va rejoindre les autres. C'est pas beau? Ah, je suis super content. C'est top. Allez, le plus dur, il est fait. Il nous reste à monter derrière l'arbre là-bas. Et après, on va se reposer un petit peu. Top, pour l'instant, ça va. Ça fait plaisir. Le plateau avant de monter à l'antenne. On est tout beau. On a quand même des beaux paysages. Un petit peu de vent quand même. Et madame qui est à l'aise, regardez. Elle est au top. Allez, encore deux coups de pédale. Et on est à l'antenne. Tiens, j'y étais il y a quelques jours avec le musculaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Sur le comeback. La petite vue qui va bien. C'est le sac à Mimi Mati, il nous a sorti. Attends, c'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Moi, en fait, j'ai fait la sortie que pour ça. Parce qu'il y avait le pique-nique. Alors, moi, j'ai pris cette sortie que pour le pique-nique. Elle est pas belle, la vie dans le Champsaur? Moi, je dis ouais, quand même. Il y a de la mauvaise vie qui dans ça. Moi, j'ai pas le porte-vélo, alors je l'ai laissé à la maison. Mais ça y est, je l'ai adopté. Tu me suis. Fais un bijou. Merci. Heureusement, je suis avec toi. Hein. Avec la maison du vélo. En plus, ça arrive. C'est clair. Nouvel assistant, c'est lui qui va faire les vidéos maintenant. Tiens. Maman. Maman. Tu vas arrêter. Toi, Audrey, oui. Parce que si tu ne pas. Coucou. Tu vas le faire longtemps comme ça? Oui. Salut. Coucou. Comme ça, c'est vraiment la position de base en descente. Avec les bras un peu plus VTT girly, VTT attitude girly. Yeah. Il va falloir que je fasse attention parce qu'elle commence à descendre plus vite que moi. Alors après, voilà. Faut que je m'accroche maintenant. Debout sur les pédales. Voilà, et souple. Garde un peu de vitesse. Garde de la vitesse, parce que là, si tu tanques, tu passes par-dessus. Faut un minimum de vitesse. Allez, c'est bien. La freine pas. Garde la vitesse et tu vas passer. Ça, c'est des moments super top, je suis super fier. Garde la vitesse là. Garde la vitesse. C'est pas grave, plus vite. T'inquiète pas pour les lunettes.
Allez, c'est très bien. Garde la vitesse. Au plus tu vas vite, au moins ça secoue. Allez, ça descendouille encore, tranquille. C'est une sortie tranquille, hein, vous l'aurez compris. En famille, convivial. En tout cas, je recommande. Hein. Si vous avez envie de faire une sortie avec petit pique-nique au milieu, coucher de soleil dans des super paysages, je vous rappelle, c'est la Maison du Vélo à Ancel qui organise ça tous les mardis soirs. Et c'est bien sympa. Je vous recommande fortement. Petit lapin et là les petits cochons, regardez. Oh non, coupé, il est parti. Les petits cochons. T'as une odeur. Et voilà pour cette descente. Là, on s'est coupé en deux. Nous, on se fait la petite descente. Et les autres sont passés par la route. Allez, c'est parti. Alors, ça me genouille un petit peu quand même l'électrique là-dedans parce que le poids, j'ai du mal à le balader finalement. Je vois que le mien, j'arrive à le lever. Même si j'ai pas l'impression, parce que celui-là, putain, il reste scotché, c'est un peu déstabilisant. Je voulais vous le dire en plus. C'est vidéo paysage. Oh, le pas content, le patou. Enfin, le chien. Bon, ben, il n'y a pas à dire. Elle est quand même plus facile, celle-là, de monter avec l'électrique. Hein. Ah. Même madame, elle en voit.
Regardez, elle roule plus vite que moi. Putain, je suis vraiment un loukoum. Pète pas, je suis derrière. Allez, sur les hauteurs. C'est pour ça qu'on fait ça aussi, pour des super belles vues. Ouais, il fait super bon. Je suis quoi? Pourquoi? Parce que je fais des vidéos de toi? Oui. Oh. Allez, ça descend cool. On arrive sur la fin de la sortie là. Bon, par contre, je vais vous demander un truc, les amis. Un gros et le maximum de big up en commentaire pour ma femme là, qui est sa première fois en vrai VTT. Donc là, il faut l'encourager. Donc je compte sur vous, les amis. Allez, dernier petit 360 de la plaine d'Ancelle. Et du plus beau pour la fin, moi, quoi. Non, je m'envoie pas des fleurs, je rigole. J'espère qu'en tout cas que ça vous aura plu. Allez, dernière petite descente vers la base de loisirs. Petite remontée après derrière et c'est terminé. Génial, génial. Petite sortie en plus avec pique-nique, ma femme et mon papa. Ben là, franchement, qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux? Un régal. Allez, dernière montée. Allez. Allez. Et c'est gagné. Yes. Bon, ma petite sortie terminée. Ben franchement, super content d'avoir pu le faire avec madame et mon papa. Un pur régal, un petit beau point de vue, en plus un beau pique-nique. Beau coucher de soleil. Un beau coucher de soleil, bref, un régal. Je pense que ça a plu à madame, parce qu'elle m'a demandé qu'on achète un VTT électrique. Ouais. Donc peut-être que, quand on aura le budget, parce qu'il va falloir économiser quand même, peut-être qu'on va arriver à remettre ce genre de sortie et ça serait vraiment vraiment top. Je serais super content et puis ça me motiverait aussi pour l'entraînement et tout, de faire des belles petites sorties comme ça en famille. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, hein, comme je vous ai demandé en commentaire, des gros big up pour ma femme. Hein. Première sortie VTT, je compte sur vous les amis. Allez, ciao tout le monde.